Salut tout le monde, c'est l'école de Sabah qui est entré la caillou. Nous avons un nouveau questionnaire qui est le site Le Livre de Matthieu. Je vous dis, c'est moi-même, j'avais son plus vieux et nous avons. Tellement juste. Nous venons pour nous porter leçon pour vous. Ted n'a pas étudié première leçon dans le questionnaire, ça qui est pour le site Le Livre de Matthieu. Type leçon, ça, c'est le fils de David. Verset à mémoriser, nous venons dans Matthieu 1er verset 21 qui dit non comme ça, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Avant de commencer, rassembler pour nous garder le son, nous allons prier pour nous rentrer dans le son. Peut-être prier pour nous. C'est le super, nous disons merci du fait qu'on peut nous passer un moment ça, étude de ta parole, nous allons avouer Saint-Esprit qui va assister nous, parce que tout ça nous va étudier, on va mettre en pratique dans notre vie de chaque jour. Avec nous diriger, nous garder, nous purifier, nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, le fils de David. Normalement, dans les temps des noms, ça a mentionné, il y a toujours à parler de Jésus, pratiquement dans le livre. Surtout dans Matthieu, c'est comme ça que je décris, bon Dieu. Mais qui est-ce Matthieu? Nous, Matthieu, c'était un correcteur d'infos. Mais c'est bon, on est quitté vraiment en populaire. Parce que monsieur le travail pour vous, mais il est ce propre juif par élite, tal taxi, c'est-à-dire qu'il va vous dire, oui, monsieur. Mais il y a un travail, monsieur, fait, c'est que les liens sont différents de tout livre dans la Bible, l'autre livre dans la Bible, parce que monsieur a son livre qui est centré sur en généalogie Jésus. Et généalogie Jésus est important parce que l'ordre de généalogie Jésus, qui c'est le monde qui sorti dans la famille Jésus, côté de sorti, racine pratiquement. C'est conseil de monde sérieux. Il y a toutes sortes de monde dans la racine de monde. Ouais, ça me joue, c'est-à-dire, si moi-même, on avait essayé pour nous tête, nous ne pouvons pas être un monde sérieux, conseil d'information personnelle, nous ne pouvons pas appeler l'autre monde. Puis on est aussi, je suis j'ai été la compose mon série, regardez qui est-ce qui se regarde, qui est-ce qui tonton, regardez qui est-ce qui grand-père ou un samedi, regardez qui est-ce qui cousin, oui. Et c'est ça qui est important, c'est que généalogie, bon, je t'ai exposé dans le livre Matthieu, et clairement, en pilant mon sao, pas vraiment mon de bien du tout. Yes. Et on va bagarre tout, on va dire dans l'introduction, c'est que. Malgré toute mauvaise réputation que M. Sarvin a en tant que taxe-collecteur, ça qui arrive, c'est que bon Dieu, lui-même, ça montre que bon Dieu n'est pas gardé sur l'apparence. Il n'est pas gardé sur Dieu, c'est que mon Dieu. Où est le bon Dieu allé sur Marc, tout n'est pas là, mais il est suivi. M. Jésus est révélé qu'il n'est pas gardé sur le bon Dieu. C'est important. Et puis, il y a un aspect livre en Matthieu. Tout ce que nous avons parlé de livre Matthieu comme un livre de jeunesse. Pour que ça ait fait parallèle ça en livre Matthieu et le mot jeunesse, pratiquement. Donc, on est jeunesse, le livre du commencement. Ouais. Nous avons le premier livre dans la Bible, il y a les jeunesses, par exemple, le commencement, création, j'ai tout le bagage de fait. Et nous, avec le livre Matthieu, lui-même, il commençait tout le Nouveau Testament avec une généalogie, il va nous histoire, et qu'on peut nous racine, toute origine de Jésus qui est venu. Mais il ne va pas parler de bon Dieu en général, pas de Jésus qui existe sur la terre. Donc, de Jésus sorti dans Marie, etc., il monte jusqu'à Abraham pour montrer que Jésus sorti dans Abraham, tout le monde qui venait après, David, pour montrer que non seulement Jésus les sorti, ils sont israélites. De par Abraham, mais aussi tous ceux qui sont familles royales de par David. Eh bien, ça est important. Et parce que nous connaissons un problème, monsieur, de venir avec Jésus, parce que les regards, ils disent, ou Abraham était tout comme un Messie. La description de Messie, hein, de l'instruction Jean-Baptiste, pas vraiment aller avec Jean-Jésus de fait, parce que Abraham dit, mon Messie, qui t'a supposé représenter un gars, c'est comme ça qu'il t'a supposé tout dans la famille royale. Et puis c'est non pas bête là, le fait non hasard. Et c'est un bagage qui est important tout parce que, les nous gardons, il y a un bagage qui est différencié livre Jean avec et livre Matthieu, c'est que et Jean lui-même présente Jésus, un aspect divin Jésus.
Tandis que Matthieu maintenant te focus sur côté Jésus est sorti. Ça c'est important parce que c'est ça qui permet de comprendre que vraiment vrai c'est Jésus qui est Messie. Parce que souviens, regardez, Jésus son Israël de par Abraham. Et ça c'était le cas pour Pifo Israël. Mais Jésus ou retracé la racine Jésus jusqu'à roi David. C'est-à-dire, la Bible n'a pas menti, par le bon Dieu n'a pas menti, le Bédi Messie en tape souci, parce que vraiment vrai, Jésus te gagné royal là dans lui-même. C'est si monsieur te, mon gars, c'est ça qui te, ça vraiment te important pour Matthieu de faire un chef ça pour te exposer. En fait ça pour t'exposer faire ça parce que en plus le monde a un doute vraiment vrai de qui est Jésus est-ce que c'est une justice qui t'a prétend ou bien est-ce que c'est lui-même vrai qui t'est Messie exactement et alors on va rencontrer ça c'est que toujours référer de Messie en tant que fils de l'homme fils de l'homme ou bien fils de David donc dans ce sens ça il montre non seulement nous prenons Jésus en tant que petit bon Dieu mais nous voyons que les fils de l'homme vont se montrer que depuis Abraham tout le monde est pour arriver sous Marie Joseph et pour jeune Jésus donc il est fils de l'homme en tout à part de nature divine Jésus et puis aussi il est fils de David parce qu'il est aussi directement en descendance de David donc c'est dans le parallèle qu'on peut faire avec ça voilà. Mais c'est bien ça moi le son ça permet de m'apprendre voilà. Après, de nous faire comprendre exactement qui est sauveur, nous était sur la terre et tout ça. Et c'est tout ça. Peut-être nous juste lire Matthieu comme ça, comme il y a un évangile, mais nous ne pas vraiment comprendre l'aspect technique et l'importance de Matthieu pour nous commencer le Nouveau Testament avec. Parce que ça permet tout faire, c'est que nous permet tout, valider tout ça pour venir parce que l'étaler exactement. Qui côté Jésus aussi, qui est-ce mon Dieu? Et nous connaissons plus force à Jésus accompli, découlé de ça vraiment. Parce que le problème, monsieur Deguin, c'est que lui pas riche, lui pas jeune, Deguin, vous renommez, côté le défaite et tout ça. Et ça nous connaît en pile, il est nous garder après. Tout ça, c'est pratiquement ça, a été utilisé vraiment pour dénigrer Jésus. Ça fallait vraiment important que. Nouveau Testament, surtout commencer avec exactement un aspect de qui est Jésus et qui côté les sorties. Nous parlons entre Pifon, nous parlons entre en plus détails de qui est ce monde ça qui fait partie de généalogie, bon Dieu, Jésus pratiquement. Juste avant de faire ça, on a pris un petit pause de la tour d'étale. Marok Soumayan, il dit, bon Dieu, par exemple, commencez pour lui va finir. N'importe monde qui lève à Haïti, ou quand il fera ça, ou quand il refait ça, dans chanter ou les rocha. Il dit, bon Dieu, par exemple, commencez pour lui va finir. Et nous, ça, à travers la Bible, côté de lui, bon Dieu, font promesse à peuple, ou même ça, toujours venir accompli, après, même si on pas qu'il temps passé. La prière, c'est clé. La prière, c'est pratiquement moyen de communication nous avec bon Dieu. Et Mario ça que PDF ministre mettait dehors, c'est un message pour vous-même et puis c'est un message pour tout le monde tout. En dit mettez Mario ça sous côté passé ou encourager tout le monde pour prier, ou encourager tout le monde qui a un problème, n'importe problème yo gagne pour prier parce que la prière c'est clé. La prière c'est pratiquement solution à tout problème nous capable de gagner dans la vie. Donc c'est dans même optique ça PDF ministre nous fait Mario ça. Vous mettez ma voix en vente, vous disponible pour nous là, vous capable pré-order le Kounia, montez sur www.pdfministry.org/store. M'achetez ma voix pour membres l'église ou achetez ma voix pour les amis ou femmes. On partage ce message à tout le monde. La prière c'est clé. On nous tout continue à prier et on nous continue à porter ce message à tout le monde. Vous avez free shipping qui est disponible à travers les États-Unis. Donc, commencez hors de ma aujourd'hui, faisant mon compte ça, faire fin mon compte ça, et nous gagnons shipping pour international tout. Donc, restez branché, nous gagnons plusieurs belles maillots, plusieurs belles projets. Bon Dieu, par exemple, commencez pour lui pas fini, achetez maillot.
Nous retournons avec la présentation en première leçon pour questionnaire qui vient titre le livre de Matthieu pour trimestre ça et titre leçon qui c'est le fils de David. Tout à l'heure, on t'a parlé de livre Matthieu, qui est Matthieu et qui j'en ai souhaité présenter Jésus dans toute humanité, Jésus sous la terre, elle est venue côté de Soti et tout ça. Mais quand on a une bonne chance pour nous entrer en détail dans première branche dans la généalogie de Jésus. Normalement, longtemps après la généalogie, mesdames, il n'y a pas de figure là-dedans, pratiquement. Mais nous, Matthieu allait au-delà de coutume, côté de Michel, il intégrait pratiquement presque tout le monde que les cajuns fait partie de généalogie, bon Dieu, que c'était fille, que c'était garçon. Et nous, on sait de mesdames là qui figuraient. Dans la généalogie de Jésus, qui est capable de surprendre. Premièrement, nous avons mentionné là, c'est Tamar. Qui est Tamar? Tamar, c'est une femme cananéenne qui est mariée avec deux frères. Deux frères, ça, c'est petit sur monsieur Téné Judas. Monsieur Saro, Judas promet Tamar pour le marier avec troisième petit garçon. Mais ça va dire, vous voyez, qui ça Tamar fait? Les déguiser en prostituée. Pour le coucher avec Judas. Papa, monsieur. Et puis après ça, c'est le vin enceinte qu'on a révélé Judas que c'est lui qui papa petit ça. Waouh! Et qui n'a plus de famille, ça, c'est Tamar aussi. En famille Jésus. C'est bête. J'ai un autre même exemple. Ça. Bon exemple pour la passage. Là, c'est ouais. Exemple de Wiz avec ton fils, ça, on l'a appelé sur. Jacob avec Esaïe, c'est un bagage là qui fait tout, qui fait Jacob tenir une bénédiction. Regardez là, tout est. Tamar fait ton prière avec Kimbe petit là. Et puis, où est Jésus, sorti, toujours dans la famille, ça. Waouh, ok. Qui l'autre monde encore qui sorti dans la famille? Bon, il y a un exemple là, vous connaissez son prostitué, le pays. Oui, Jéricho, c'est lui qui était deux jours déjà avec M. Espion, pour leur tenter d'infiltrer Jéricho, pour être contre qui j'en paye, etc. Et nous, non seulement tu as sauvé la ville, j'ai qu'on détruit, mais lui-même, il a décidé de jouer avec le peuple. Et définitivement, tu fais partie de l'église de Jésus. Et même, ok, même tout à l'heure, je l'ai dit comment j'ai sauté mon famille royale parce qu'il y a aligné avec David. Mais nous sommes ceux qui ça David t'a fait tout. Parce que David t'a pris. Un Bethsabée qui était mal en Uri, les voyait Uri devant et dans les premières lignes. La Méa, Uri mourit et puis monsieur Daniel Zéné. C'est-à-dire, ouais, pratiquement, c'est que c'est pas que la Bible a encouragé à tout ça, c'est que il a montré nous comment que bon Dieu utilise n'importe quel livre. N'importe quel livre. Et un erreur nous fait le plus souvent, c'est que nous. Le fait que nous connaissons la Bible, c'est un livre qui est sacré. Nous présentons la Bible comme si la Bible était juste en l'air comme ça. Et puis tout chrétien à terre. C'est-à-dire que nous avons que pour t'obéir à la Bible, il ne faut pas avoir un niveau humain du tout. Faut que nous, c'est-à-dire que nous, en nous qui gardons la Bible, comprenons que nous avons. Bagay sa, c'est bagay l'église Dieu. Moi même côté mi nan péché, à côté mi nan monde là, pa gran nan Bible là. Ouais, ça me dit pas gran nan Bible là qui ta connecté avec réalité. Mais pourtant, ça c'est pas vraiment la vérité parce que Bible là pas présente nous rien, rien, rien bien bel rien. Non, monde ça c'est que c'est des péchés nous avec nous que bon Dieu utilise, que bon Dieu transforme et qui vient tourner les monde comme ça. C'est-à-dire n'importe réalité gagner. Que va vivre on y a là pratiquement et grand pile chance pour joindre une réalité et réciproque dans la Bible là. Parce que monsieur qui était dans la Bible, mesdames qui était dans la Bible, c'est pratiquement humilité et puis tout bagarre mal et qui fait le plus souvent mon ça au train de là dans les tours. Définitivement, c'est pas des règles de mon qui sert parce que tout crime, adultère, tout bagarre ça. Nous avons une histoire sacrée dans la Bible. Donc, la Bible a directement une relation avec la vie que nous avons menée. Exactement, c'est ça qu'il fallait dire lorsque nous étions encore des pécheurs. Parce que l'élément essentiel, là, ça nous explique, c'est pas que
bon, soit fait ça pas bon, automatiquement rentrer dans ligne mon qui était dans Bible sur toute bagarre en fait. C'est pas ça nous voulait dire, c'est que et il montre comment que bon Dieu prend mon qui sorti en plus bas niveau, on s'est transformé et mon ça venir un monde de bien. Après Paul, Pierre, ça me dit même David son grand, c'est qu'on est qui était joué, non? Salomon qui était on est qui était sage en pile. Ouais, ça me donne tout. Par contre, c'est que le Salomon était tout concubine ça. Bon Dieu était juste ça. On sait Salomon good job, il prend plaisir. Non, c'est péché ça, on t'a Salomon t'a vécu dans péché. Yeah. Aussi c'est que ça Salomon t'a vécu dans péché. Mais où est ça bon Dieu était toujours là prêt à utiliser mon ça. C'est pas que pas ouais péché, non, mais t'es toujours prêt à pardonner. Parce que objectif là vraiment c'est retirer nous dans état côté nous t'yab côté t'yab pour nous capable vivre plus bon monde nous capable pour vivre nous capable transformer pour nous capable changer, c'est-à-dire n'importe où toi et n'importe situation que tu vois qu'on est là ou pas plus mal que ça. Actuellement c'est un candidat qui parfait, c'est nous-mêmes même bon Dieu à chercher. Parce que moi même si des trucs ça au banc là, c'est que en par exemple Roboam son roi méchant, monsieur, c'était papa Abiyam, qui était son méchant. Et Abiyam, c'est papa qui a cité. On voit un coup Aza. Ok? On dit Aza, c'était papa qui est, on voit un coup Josapha. Ok? Josapha qui a cité, il était papa Joram. Joram qui dit son roi méchant, il a joué dans la même ligne. Roi après roi, papa bon, ça va veut dire que petit là bon. Papa méchant, ça va veut dire que petit là méchant. C'est-à-dire, nous, chaque qui là, n'importe situation nous trouvons là-dedans, nous toujours une opportunité pour nous changer physiquement de points. Pas dire oui, bien j'abrasse à la gauche, bien j'abrasse à la droite, pas me déconfesser si c'est là, obligé de continuer dans la même ligne. Parce que la Bible est claire à ça, côté Jésus même, pas de souci dans la famille. Il était si bon que ça. Ou dans la même famille royale, ou pape, grand-père a été bon, papa bon, et puis petit là, a changé le physique d'épaule. Même petit ça, a changé le physique d'épaule là, t'as un petit tout l'albinois qui. Fait ça de tout. C'est-à-dire, c'est nous-mêmes qui nous gagnons l'opportunité pour nous vraiment décider qui type de monde nous avons. Ça n'a pas été fait, pas nécessairement. Bon, pas influencer le futur, non, mais nous toujours le contrôle sur le futur. Ça. Nous ne pas prendre ça comme excuse pour nous justifier ça n'a fait tout à l'heure. Yeah, en tant que chrétien, prenons un exemple sur. Sous la Bible, parce que nous jouons bon Dieu lui-même, qui toujours prend, regardez ce prophète, le prophète toujours apprend que Dieu n'est pas prêt, il y a pas tout exemple, mais qui problème il y a, mais qui problème il y a, bon Dieu il va garder ce problème, ça. C'est vous-même les choisir, et la situation que nous avons, tout c'est que nous-mêmes en tant que chrétiens, ce n'est pas pour nous garder sous passé, on. Je pense que papa nous est dans une situation, on va pas dire, ah, mon ça, ou déjà connaissé petit intérieur, la définitivement fait même bagarre. Donc, en tant que chrétien, nous ne pas supposer qu'il y ait une attitude ça. Parce que bon Dieu qui a changé que n'importe qui. Donc, il faut toujours faire attention pour nous connaître à qui j'ai pour nous approcher. Il faut nous connaître que bon Dieu lui-même qui a changé que nous. Et bon Dieu, il n'est pas seulement sous dehors, mais il est directement avec nous. Absolument. Eh bien, nous avons une dernière partie pour discuter avant de finir avec les leçons. Un petit pause dans ton état. Ayok sou mwen an, li di, bon Dieu par exemple, comment c'est pour lui va finir? N'importe monde qui levé Haïti, bon petit frère ça, quand tu refrain ça, dans chanter ou le rocha. Il dit, bon Dieu par exemple, comment c'est pour lui va finir? Et nous, c'est à travers la Bible, côté de lui, bon Dieu font promesse à peuple, problème ça toujours venir accompli, après, même si on pas de temps passé. La prière, c'est clé. La prière, c'est pratiquement moyen de communication nous avec bon Dieu. Et Mario, ça que PDF n'est suis mettez dehors,
c'est un message pour vous-même. Et puis, c'est un message pour tout le monde. On dit mettez Mario ça sous côté passé ou encourager tout le monde pour prier. Ou encourager tout le monde qui a un problème, n'importe quel problème qui a hein, pour prier. Parce que la prière, c'est clé. La prière, c'est pratiquement solution à tout problème que nous sommes capables de gagner dans la vie. Donc, c'est dans la même optique ça, PDF Ministry nous fait Mario ça. Nous mettez Mario en vente. Il est disponible pour nous capable pré-order le premier. Montez sur www.pdfministry.org/store. M'achete Mario ça pour membre l'église ou achete Mario ça pour amis ou famou. On partage ce message à tout le monde. La prière c'est clé. On nous tout continue à prier et on nous continue à porter message à tout le monde. Nous avons free shipping qui est disponible à travers les États-Unis. Donc, commencez à demander aujourd'hui. Faisons mon compte ça, faisons mon compte ça. Et nous avons shipping pour international tout. Donc, restez branchés, nous avons plusieurs belles maillots, plusieurs belles projets. Bon Dieu, par exemple, commencez vous lire pas fini. Achetez maillot. Frères et sœurs, nous retournons pour nous capables de terminer avec l'étude dans le son noir pour ce maintenant qui vient pour titre le fils de David. Peut-être nous sommes étalés pratiquement par la signification de Matthieu. Hein? Qui est-ce qui écrit, qui est-ce Matthieu, qui connaît Jésus qui est sorti. Eh bien, on parle qu'on a de naissance Jésus, hein? Le fils de David, Jean-Matthieu et Marie-Lélie. Il y a un élément. Dans l'essence, mon Dieu a quitté grand pile de signification parce que nous connaissons Jésus qui est fait dans le Père, dans Nazareth. Et nous connaissons tout élément, ça a été un petit genre. C'est créé tout dans le cœur, mon qui n'a pas vraiment pensé que Jésus était le Messie parce que je dois attendre le Messie pour sortir dans la famille royale, pour parler d'une façon grandiose, côté tout le monde qui a acclamé, même ici, nous pas vraiment, mais pas où ça, c'est ça qui est arrivé. Qui s'est passé même dans l'essence de Jésus? Bon. C'est un peu intéressant, en tenant le sens, c'est que, en moment pendant, entre chapitre 1 et chapitre 2 dans le livre Matthieu, c'est là que Jésus était fait. Et ça a pointé, c'est que, la période ça, il n'y a pas de 25 décembre, j'en ai célébré. Et Noël, c'est aussi parce que tu étais toujours un monton dans la partie. Toujours. Et on va dire qui est très intéressant, tout, c'est que nous, c'est le premier monde qui connaît naissance Jésus, c'est gentil que nous sommes le roi mage. C'est ça, on fait recherche même, et on connaît exactement qui est Jésus fait. Tandis que nous, le peuple israélite eux-mêmes, par exemple, sur le roi Hérode, qui était roi dans le temps lui-même, ils connaissent que le Messie a été fait. Mais même le temps de parler de Messie, on connaît ces rois juifs qui viennent pour lui venir. Donc, monsieur, ouais, Jésus en tant que en compétition pour lui. Donc, nous, on contraste bien l'attitude de Mounsa. Donc, Israélite, là, lui, on pense que tu as embrassé le fait que Jésus fait pour t'aller, pour tes cadeaux, etc., accueillir le Messie en tant que roi juif. Mais lui, c'est fâché, moi, c'était fâché de vous et de déclarer que tu es tout petit garçon qui fait. Tandis que monsieur, même, qui se sent dans le royaume, personne lui-même, c'était des gros chercheurs que M. Sardé, M. Sardé a eu un cadeau et a l'époté pour Jésus. Donc, c'est différent ça qui vient et nous devons faire très attention à tout en tant que chrétien pour nous parler de la situation. Il y a un homme qui est important, monsieur, là, c'est qu'on parle de M. Waman Sardé. Il faut le mentionner tout le monde, c'est pas chrétien, M. Sardé, c'est pas un égouté. Par un monsieur, il est étudié par le bon Dieu. Et puis, vous comprenez tout le signe, puis vous comprenez, ok, mais qui est-ce qui est Messie? Hein? Et puis, même le monde qui fait partie de la race Messie, hein? Cherche à tuer, parce que, et là, vous voulez tuer tout le premier né, c'est parce que vous est bien. Vous avez une chance que Jésus fait. Jésus fait, et s'il fait, vous avez une chance. Vous avez une chance, vous avez une chance, exactement. Ça a entendu assez ça bien. Parce que quand on est ça, ça pour le pied de mes petites maris. Elle a dit,
c'est pour une petite Marie, c'est une petite en fait là, bon, tout là. Et vous pouvez comprendre, côté tout mon peuple attendre le Messie pour se oser faire une action pareille, poser une action pareille. Parce que c'est le roi peuple là, les on voit, il connaît toute loi, il connaît la Bible là déjà. Donc, au lieu de monsieur mettre dans une situation pour le disposer à recevoir le Messie, il peut aussi détruire. Parce que monsieur, ça, c'est des messieurs qui ont regardé ça, il est arrogant, il a même pouvoir. Je ne suis pas appelé en quelle compétition il laissait lui-même qui a toujours été en pouvoir. Waouh! Et si on a un bagage pour faire attention à elle, surtout nous-mêmes adventistes, parce que nous disons que ça roule, nous avons l'évangile là, nous-mêmes, nous avons tout ça. Mais le fait qu'on est adventiste, le fait que nous pensons que nous avons une vérité à nous-mêmes, nous ne pas garantir rien, nous ne pas justifier rien, juste parce que je suis sûr nous avons une attitude pareille face à Juif. Là. Non laissant Jésus, c'est-à-dire nous-mêmes qui chrétiens, soit nous-mêmes qui adventistes, le fait que nous adventistes, nous chrétiens, soit dans l'église, pas garanti moyen, si ça va refléter dans l'attitude, dans l'action que la posé et tout ça. Yeah, parce que le plus souvent, toujours en chrétien, en particulier, il y a toujours une tendance à attaquer l'autre monde qui va à l'église. Et puis, à ou non, péché ou non, il y a un monde qui n'a pas de droit à me sauver. Tandis que, parce que juste pour simple raison que lui-même, il y a l'église régulièrement, donc il pense au plus bon que l'autre monde. Ça. Yeah. Donc, qui sont un gros problème parce que le fait qu'on est dans l'église, ou bien doit ancien l'église, ou bien doit même pasteur l'église, ça va veut dire que au plus bon pas son monde qui parle à l'église, juste parce que l'église a avancé. Ou bien doit rentrer dans l'église, là, et puis ça quoi brûler, et puis mal que ça nous dit en fait. Lui. Donc, c'est sûr, ça va nous faire attention. Très important. Faut que nous partions dans une fin de leçon. Je ne vais pas étudier le fils de David, première leçon. Et qui dernier mot gagne pour nous avant de nous aller? Bon, dernier parole de cas des spectateurs, c'est que, en tant que chrétien, il faut nous faire très attention. Nous voyons que Matthieu, il montre un exemple, il va dans toute origine de Jésus. Nous voyons que même dans l'idée de Jésus, il y a des gens qui. C'est pas celui des gens qui. Tout marche, qui marche droit, tout le monde n'est pas parfait. La réalité, c'est que le monde était au paquet de péché, nous avons une prostituée, nous avons un paquet de bandes. Nous avons David qui fait tromperie, qui utilise Wiz, tromperie pour capable prendre madame ou l'autre nègre. Donc, nous avons que le monde n'est pas parfait, mais de tout le monde, le Messie a quand même une sortie. Donc, il faut que nous fassions très attention pour ne pas juger le monde selon le passé, selon la lignée. Je pense que famille, mon nom, bien parlé, mon nom, ça qui va bon. Ça veut dire que où est mon nom dans l'église pour regarder, pour dire ah, intéressant, c'est fait crier, c'est sous Jean de Bagala. C'est sous style qui va dans l'église. Ça l'a fait, il pas vrai. On connaît que bon Dieu, c'est pas juste sous apparence, il va garder sous famille, on se garde le cœur. Mon nom, c'est vrai, il doit faire le marasal, papa, le moment de notre situation, mais il y a une relation personnelle liée avec bon Dieu. C'est un bagage qui change complètement. Il faut nous faire attention pour ne pas venir tourner mon cap longé doué tout le monde. Enfin, nous faire ça, il faut nous garder relation. Pas nous avec bon Dieu, c'est juste parce que dans l'église, pas avec nous, puis bon, c'est mon qui dehors. Mon cher, merci, un petit bon travail. Je remercie tout le monde qui était prêt à temps pour garder le son. Pas oublier, nous donnons chaque semaine pour continuer à partager le son, continuer à interagir avec tout le monde, continuer à m'apprécier. En nouvelle, de bonne nouvelle là. Et surtout, questionnaire, ça a son bel questionnaire. J'espère que nous sommes capables d'étudier, que nous sommes capables d'actualiser par les messages qui sont là-dedans pour nous. Encore une fois, merci et à la semaine prochaine. Mais pas que moi, ce jour m'a compté dans ce ciel-là. Lilé pour